Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo react, cette fois-ci sur le comeback, enfin la pré-release de Eddie Born To Be, donc leur nouveau album qui s'appellera Born To Be. Elles ont sorti ça le 17 décembre 2023, donc c'est parti, on va découvrir ça, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Malheureusement, il manque Lia parce que Lia est en pause pour maladie et j'espère qu'elle se soignera très très bien, elle manque énormément. Cette petite boule de bonheur, mais c'est parti, découvrons du coup comment elles se sont débrouillées à 4, parce que c'est un groupe qui est censé être 5, donc c'est parti, j'ai hâte, je n'ai pas vu de vidéo dessus, enfin par les vidéos teaser, je n'ai rien vu, donc découvrons ça, on va se mettre en 4K bien sûr, attendez, voilà, un groupe que j'affectionne énormément, c'est parti. Donc on commence avec Origin. Oh, la transition à Yeji. Ouh, Yuna. Ok. Cette colo lui va trop bien, Yuna. C'est la colo du début, de toute façon. Quasiment. Oh, Ryujin. Ok, Chaeyoung. To be. Ok. Ok, l'instru est cool. C'est de l'électro et tout. To be. Ok. Visuellement, en vrai. Ouf. Oh, la partie rap de Heijin. Les transitions sont cool quand ils passent d'une personne à une autre. Oh non, ça lui va vraiment trop bien avec la frange et tout. Non, Yuna, c'est quelqu'un. Chaeyoung est magnifique. Et Eddie aussi. Il manque Lia. Ok. To be born to be. Bon, la chorégraphie, c'est pas ma préférée, je peux pas vous mentir. Izzy a déjà fait mieux en termes de créer de. Décoré. Ok, il y a de la réalité augmentée dans le truc, c'est pas mal. Les tenues sont cool. Born to be, avec de la réalité augmentée au-dessus. Ok. Bon, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un, bien évidemment, il manque... il manque bien sûr Lia. Lia qui manque énormément au groupe. Hein. On sent qu'il manque une voix. Et quand on est habitué à avoir le groupe à 5, c'est un peu compliqué. Mais on va continuer quand même de leur donner de la force. Parce que Eazy est dans mes groupes préférés de K-pop. Hein. C'est que j'ai découvert avec G-Idol quasiment en même temps avec Everglow et tout. Donc honnêtement, c'est un groupe que j'affectionne énormément. Globalement, le clip, le MV est très pas simpliste, mais en termes de budget, c'est pas celui où ils ont mis le plus de budget. Honnêtement, c'est il y a des écrans en dessous, un petit décor et des mouvements de caméra qui font le taf et les transitions. Donc honnêtement, ça fait le taf. C'est pas un énorme budget pour ce clip là, mais en tout cas, j'ai bien aimé les transitions. En vrai, il y a vraiment des trucs qui sont cool dans le MV, c'est que il y a des transitions qui sont cool entre les personnes, enfin les filles et tout. Donc ça le fait, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit que le concept était similaire à celui... On retrouvait les tenues un peu d'ESPA, les tenues de Blackpink et tout. Honnêtement, il y a énormément de groupes qui ont fait des concepts comme ça.
en vrai, il y en a beaucoup, beaucoup, même énormément. Donc, ça a rien de les comparer, tout ça, je trouve que c'est pas vraiment judicieux dans ce sens-là, parce que vu que c'est des concepts qui sont repris par énormément de groupes et que voilà. Honnêtement, j'aime bien le son. Le son est cool. La partie rap de Ryojin est magnifique. Honnêtement, c'est ma membre préférée, donc voilà. Mais on sent qu'il manque quelqu'un. J'ai hâte de voir du coup ce que va être l'album en entier, parce qu'elles ont été très fortes sur leur album, surtout sur les B-sides de leur album. Par exemple, pour celui de Shakeshire, celui, il y a Sneakers aussi dedans, celui de Loco. Il y a vraiment des B-sides qui sont vraiment trop cool. Elles sont très très fortes pour les B-sides, honnêtement, depuis quelques années, Itzy. Donc, on va découvrir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime bien, mais c'est pas le meilleur comeback d'Eddy. Il manque quelqu'un aussi, il manque Lia. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un petit like. Abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.